Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Janvier 2010, 12 janvier 2021, fait 11 l'année, depuis plus passé 200 000 monde, t'es perdu la vie yo. Et environ 300 000 autres blessés dans un tremblement de terre magnitude 7 qui a frappé Haïti. Pour marquer date ça, coupe présidentielle là, Premier ministre Joseph Jout avec diverses autorités viennent recueillir devant mémorial qui est érigé sous site ça dans Saint-Christophe et puis déposer un gerbe fleur en mémoire victime tremblement de terre 12 janvier 2010 là. C'est ici là dans mon Saint-Christophe, autorité ont fait diligence pour enterrer en pile dans victime yo. Yon souvenir amer pour tout haïtien. Ni ça qui t'est perdu en proche, ni ça qui pas perdu en connaissance directe dans la catastrophe ça. 11 l'année après, reconstruction pays a toujours été un gros défi responsable doit lever. N'a rappelé autorité en place déjà organisé en pile activité pour réfléchir sur qui j'en pourrais un pays a plus résilient par rapport à catastrophe naturelle à différents niveaux. Mais tout, il y a action qui posait dans le secteur environnemental. Nous avons cité par exemple mise en place sans germoplasme et propagation végétale. Yo. Yon nan Nip, yon nan Grandens, yon nan Sud et nan Nord-Ouest. C'est une série de structures qui visait reboiser le pays avec une capacité pour fournir 4,5 millions de plantules chaque année. Dans le domaine infrastructure, il y a 4 bâtiments publics qui inaugurés sous 20 qui prévoient construire dans 4 projets cité administratifs là. Qui visait pour reconstruire bâtiments publics qui étaient détruits le 12 janvier 2010 là. Puis près nous là, dans la date 3 novembre passé, nouveau bâtiment Cour supérieure des comptes avec contentieux administratif là inauguré. Haïti, un pays qui sur route pour reconstruire. Avant 2010, en pile monde pas de bay trop importance avec métier psychologue là en Haïti, 11 l'année après constat yo différent. C'est dans logique ça, en pile organisation, acte strictis santé mentale prend naissance, dans l'idée pour accompagner monde qui n'a nécessité soins santé mentale. C'est dans logique ça, en pile organisation, acte strictis santé mentale prend naissance, dans l'idée pour accompagner monde qui n'a nécessité soins santé mentale. Claude Manda, doyen pour un titan dans la faculté d'ethnologie qui en dans l'université l'État explique les raisons qui poussent responsable dans la faculté à mettre campé une clinique santé mentale pour servir la communauté. Nous avons trouvé que c'était une opportunité pour nous lancer la clinique. La clinique ça a gagné sous table deux gros moments objectifs. Le premier objectif là, c'est d'abord pour tes soins psychologiques à des étudiants, à qui l'ont faculté d'ethnologie, qui l'ont université de manière générale, mais à toute communauté, hein, quel que soit problème d'ordre psychologique que nous avons, il est capable sous table, venir dans la clinique là et gagner des psychologues seniors, gagner des étudiants finissants, licenciés ou finissants, capables de servir ça. Garline Félix et Emmanuel Kwame, c'est étudiant psychologie dans la faculté d'ethnologie. Ils font partie des organisations différentes qui ont écouté dans la clinique santé mentale faculté à mettre campé depuis un mois. Ils ont encouragé tout le monde qui a traversé des moments difficiles pour venir consulter dans la clinique là, pendant qu'ils souhaitent jouer un accompagnement matériel pour capable faire travail là. De matériel en clinique là pour nous mettre et que connaît matériel psychologique qui vend très cher, donc nous pas vraiment parce que c'est une clinique qui est presque gratuit pour la population. Nous connaît déjà niveau et économique population, donc si bien des instances nationales, internationales qui voulaient porter support non seulement et technique, financier et dans la formation tout pour nous, donc c'est
sont déjà bienvenus. Nous accompagner les professionnels dans la clinique là. Côté que nous travaillons sur des plans, côté que on monde qui a besoin de nous, un professionnel dans la clinique là. Comme ça, tout le monde a besoin de nous, un étudiant qui a accompagné les professionnels. Donc nous-mêmes, nous jouons un rôle d'accompagnement à différents professionnels qui sont dans la clinique là. Donc nous aider à préparer différentes activités, nous participer activement dans la vie clinique là. Et puis tout nous là, en fait, nous-mêmes, différentes associations étudiants, Alopsie Haïti et Psychac, nous toujours disponibles du lundi au samedi dans la clinique là, au cas où il y a des gens qui viennent dans un rendez-vous et nous-mêmes pour nous capables de faire dossier, tendre les gens, accompagner et puis référer la professionnelle que Carla nécessite. Faculté Sciences humaines dans l'Université d'État, lui-même tout formé étudiant en psychologie sociale. Le responsable académique faculté ça, Jérôme Paul Eddy Lacoste, fait qu'on ait accompagné en pilon psychologiquement après 12 janvier 2010. Travail là, t'as pris le campé en route à cause de problèmes logistiques. Libye garantie, avant longtemps, population a capable de bénéficier de soins santé mentale grâce à la contribution faculté à apporter. On a pensé à une structure psychologique stable dans la faculté, dans le cadre de services à la communauté, pour nous recevoir toujours des traumatisés, pour nous recevoir tous des gens qui, parce que la santé mentale étant globale, il y a 12 janvier certes, mais après 12 janvier, il y a d'autres événements, il y a d'autres situations stressantes, préoccupantes, que population, que famille, que tout le monde l'école a vivre, qui demandait un accompagnement adéquat. C'est vrai le 12 janvier 2010 c'était fatal, mais Ekelson Michel Gentil, qui est étudiant en psychologie, quoi circonstances là permettent pile le monde de l'autre façon, monde qui est psychologue dans le pays. Le 2 janvier, il marque nous de plusieurs façons, il marque nous, surtout négativement, il marque nous en termes émotionnels, ça nous perdit. Mais le 2 janvier, tout, il marque nous et positivement tout. Malheureusement, positivement me dire, parce qu'en fait, qui ça le porter pour psychologie, mais il va le faire gagner des gens qui viennent tourner vers la psychologie. Il va le faire tout dans l'influence de étudiants en psychologie, tout, ou après, quand il y a les étudiants sortis dans la première année, ou quand il y a plus de monde dans la cohorte, étudiants qui entrent dans le parcours pour aller faire discipline psychologie. 12 janvier 2010, quitte goût en main en bouche en pile haïtien. 11 l'année après, en pile nan yo toujours à vivre avec cicatrice, nan koyo ak nan l'esprit yo. Et spécialiste nan soins santé mentale yo fait qu'on est, c'est pas seulement les yon fou li capable ou un psychologue. Yo encourage tout le monde pour consulter yon psychologue pour capable jouer yon pi bon santé mentale. Ce qui fait en élaboration de codes de construction et de documents pour réparation et construction de petits bâtiments en maçonnerie chaînée. Gain des avancées qui fait en matière de formation, d'éducation, sensibilisation. Gain des avancées qui fait en matière de plan de contingence, d'organisation des secours. Mais ça veut dire que tout le bagage est au beau fixe, qu'on paquet de manquements, il faut que nous conservions acquis sérieux. Pour nous bonifier, faire plus toujours, pour aller beaucoup plus loin, parce que le chemin est encore long, il y a un pile d'autres travail qui mérite d'être fait, il y a un pile de lacunes, donc il faut que nous comblions les lacunes. Et si nous voulons faire aller de l'avant, il faut que nous tenions compte de lacunes pour que nous vraiment faire plus encore pour nous capables de rendre le pays moins vulnérable à la menace sismique. En termes de menace sismique, on a une meilleure connaissance de la menace sismique, nous avons plus faillot. Nous faisons surveillance sismique, appareil là. En termes de construction, les codes existent, ne pas exister. Le microzonage existe, nous avons des zones, nous avons des sols. Donc, si vous avez bureau d'études, nous sommes ingénieurs, pour construire le côté études, ça existe. Vous êtes capable d'inspirer de lui-même pour dimensionner la construction, ne pas exister avant. En termes de formation et d'éducation, il y a l'école qui bénéficie de formation, ça, donc qui connaît. Et en termes d'organisation des secours, protection civile, faire un peu de bagaille. Donc, les plans de contingence existent. Mais ça ne suffit pas. Pour
pour nous dire que Haïti est définitivement sécuritaire, donc nous moins vulnérables. Donc nous encore vulnérables, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous voyons dans quelle direction pour nous aller, nous voyons ça nous devons pour nous faire. Donc on travaille pour que nous bonifions ça que fait là. Président Sénat vient dit seulement sénateur, 10 sénateurs, avec président République là. Zanminou, Jovenel Moïse. Nous avons responsabilité pour nous prendre pays ça, sortir du côté d'IA pour mettre dans l'autre côté. Et par conséquent, nous avons responsabilité, devoir pour nous travailler ensemble. Travailler ensemble avec tout le monde. Et le maître mot, n'est pas l'autre bagaille. Parler tout le temps, discuter tout le temps, échanger tout le temps, et joindre un accord sur ça qui est nécessaire pour le pays, mais qui n'est pas obligé nécessaire. Pour le président Jovenel, qui n'est pas obligé de nécessaire, pour le sénateur république. Nous clair et de ce pas, nous allons mettre nous au travail. Si ce plan relance économie après COVID-19 là, c'est prévoir et puis appliquer un ensemble de stratégies pour arriver de façon durable, mettre l'économie pays à sous deux pieds et pour soutenir petit à moyen d'entreprise et puis créer un nouveau job. C'est un comité technique mixte qui prend temps pour finaliser le document ça, la date 8 décembre passé. Le comité ça a gagné la donne, ministère de planification et coopération externe et puis ministère économie et finance. Dans le but d'accroître l'efficacité du report, trois domaines d'accompagnement ont été également retenus. Il s'agit du renforcement de la gouvernance administrative, du renforcement de la gouvernance économique et financière, et de la stabilité macroéconomique, de l'amélioration du cadre des affaires et de la compétitivité de l'économie. Les principaux résultats visés tiennent non seulement compte des contraintes, mais aussi de la nécessaire collaboration qui doit exister entre les acteurs sociaux et économiques. De la mise en œuvre du report sont attendus. Une croissance économique en moyenne de l'ordre de 3% sur les trois prochaines années qui découlera de la stimulation et de la revitalisation des secteurs porteurs d'une amélioration de la gouvernance et du climat des affaires notamment. Une baisse sensible et graduelle de l'inflation à 10% au plus à la fin de 2023. Plan relance économie après COVID-19 là proposer réponse à une série de problèmes structurels qui posaient dans une série de normes gouvernement a dû concentrer tout effort. Sorti l'année 2020 pour arriver 2023. Tant coup, agriculture, industrie, tourisme et numérique, programme logement, investissement dans le secteur textile, et l'autre encore. Premier ministre Joseph Jout expliquait cohérence dans l'action de l'État importante en pile pendant les cité trois grandes priorités gouvernementales qui en ligne droite à l'époque là. L'objectif final du report est d'augmenter les ressources pour cibler des impacts et améliorations rapides et durables dans la vie des citoyens. Le report, comme vous le dire notre ministre des Finances, s'articule sur six piliers d'action. Et je demande aux mandataires du gouvernement et aux différents corps et institutions de l'État de s'engager en vue de la consolider. Le premier 1, c'est la diversification et l'élargissement de la base productive. Il s'agit de stimuler les revenus et l'emploi tout en redressant cette forte dépendance caractérisée par une situation où les importations représentent 43% du produit intérieur brut, tandis que les exportations ne permettent de financer que 20%, que seulement 20% des importations. Cela se fera en levant les contraintes et en renforçant les infrastructures
les services de support indispensables au secteur de l'agriculture, de l'agro-industrie, du textile, de la construction, du tourisme, de l'artisanat et du numérique en particulier. Le pilier 2, c'est l'amélioration des infrastructures et services. Il s'agit de renforcer la disponibilité et l'accessibilité des services et des infrastructures, et en particulier aux populations enclavées, dépourvues et aux producteurs. En priorité, des infrastructures et services de transport, de communication, d'énergie, d'irrigation avec un accent particulier sur les systèmes de durabilité mis en place, l'entretien, le financement, la planification des portefeuilles de projets viables. Président Jovenel Moïse encourageait être ensemble avec dialogue entre différents secteurs pour permettre plan ça atterrir dans la population qui a fait face à un pile de difficultés à cause conséquences pandémie coronavirus là. Chef l'État a expliqué administration l'impact dormi côté gain plusieurs chantiers qui finit déjà pendant gain l'autre qui dans dernière phase. Nous devons réaliser le dialogue qui est la voie de l'intelligence et de la responsabilité citoyenne. Concrétiser ce dialogue sincère, ouvert, essentiel, indispensable pour poser les bases d'une gouvernance efficiente et efficace, seule capable d'assurer la sérénité nécessaire pour s'attaquer au mot profond dont souffre la société et l'économie haïtienne. Malgré les contraintes de toutes sortes, l'administration s'est mobilisée pour consolider des piliers de la croissance durable et forte. Cette consolidation s'est faite à travers la poursuite du programme de modernisation du secteur de l'énergie, le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du potentiel d'irrigation pour augmenter la production et la productivité agricole et ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire, pour la protection et la régénération de notre environnement. Document SAG 384 pages qui regroupait 11 chapitres. Ces résultats, c'est un travail membre secteur public, représentant société civile, un groupe expert national et international qui participait à la préparation plan ça et puis partenaire technique et financier pour développement PTF bayon appui technique. Bâtiment qui loge lycée Lamennais dans celui du Nord rentré dans le cadre de priorité gouvernement haïtien pour rendre l'éducation accessible à tout le monde dans le pays. Pour admettre enseignants qui qualifient dans cette classe et puis construit espace qui est confortable pour favoriser l'apprentissage élève d'après ministre éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Pierre Josué Agenor Cadet. Le monté ministre en 2017 parce que nous sommes 4 ans de ministre éducation nationale. Gouvernement, administration Moïse Abamoué, on fait de route. On fait de route, ça a 3 bagailles qui prioritaires pour nous. Premier, c'est accès à l'éducation. C'est le sens ça. Nous avons 4 ans comme ministre. Nous avons déjà construit 141 écoles, lycées avec l'école nationale. Pendant ma parole, voilà là, nous sommes inaugurés 12 dans le centre. Nous avons inauguré 12 tours dans le bas nord-ouest. Et jeudi à la, dès jeudi à, j'ai ingénieur Patrick Mitidil là, construction de mal. Mais comme nous sommes dans plus de difficultés là-dedans, il faut qu'on détruise ça là, il faut qu'on retire l'embrayo et puis qu'on commence à construire. Projet ça a coûté l'État haïtien environ 151 millions de gourdes et ses fonds nationaux éducation FNE cap financé. D'après précision, directeur général institution Joseph Franz Nicolas qui souhaitait pour ça arriver à terme avant durer 13 mois par rapport à la nécessité qui vient pour ça. La phase construction lycée Lamennais. Sur lycée donc moi j'ai acheté qu'a coûté environ 51 millions de gourdes. Lycée ça, FNE a financé à 100%. Ingénieur Patrick Midi, responsable film exécutant projet A, promet la faire tout ça possible pour projet A. Fini avant l'air. Je vais être avec vous au moins pendant plus d'une année. Le projet, c'est un projet de 13 mois. Mais nous allons faire de notre mieux pour achever avant si possible. Mais le contrat prévoit 13 mois. C'est des occasions tôt pour titulaire MNFPA Tevoué Pinga, bail enseignant qui a touché l'argent de l'État mais qui n'a pas mis des pieds dans sa classe. Nous ne pouvons pas tolérer pour mettre à toucher comme l'État, pour nous jusqu'à présent, pour nous faire un petit bruit. Mais nous avons des problèmes
pour poser pour les avec l'État. Pour l'État prendre responsabilité, mais tout le monde va bien souffrir. C'est à vivre et à eux. N'a pas souligné, local lycée La Ménène en Service du Nord, c'est un bâtiment qui était construit depuis dans l'année 1949 et qui tombait en mauvais état depuis un bon bout de temps. Depuis commune Saint-Louis du Nord, département Nord-Ouest, Marc Edi Ossam, antenne télévision d'État. Ak employé direction nationale d'eau potable cérémonie remise plaque ça réalisé dans Pétionville. Directeur général d'INEPA Guido Edouard remercier et puis féliciter programme insertion jeune nan pour initiative ça li prend pour aider d'INEPA continuer encadrer jeune yo nan bayou formation PIG programme d'insertion des jeunes à l'emploi. Mais c'était en 2018 quand j'avais reçu une correspondance du gouvernement nous faisant part de la nécessité d'intégrer des jeunes professionnels haïtiens. La DINEPA reçoit régulièrement des centaines de jeunes professionnels haïtiens pour leur stage, en fait pour leur période stagiaire dans le secteur eau potable et assainissement. Surtout ceux-là qui ont un profil professionnel cadré avec les besoins sectoriels. Ingénieur Jusley Baptiste, qui se youn, nan bénéficiaire programme nan, exprimé satisfaction pendant le promet, yon pral mette compétences dans le service pays. Ces ingénieurs ont intégré à cette administration suite à des processus de recrutement faits par la direction de ressources humaines, la direction de passation de marché et la direction générale. 12 des ingénieurs gradués, diplômés en République dominicaine, en ingénieur civil, en ingénieur électromécanique et ingénieur industriel ont intégré l'administration pour des séances de stage. Et aujourd'hui encore, nous sommes au nombre de 12 ingénieurs venant de République dominicaine avoir le titre de consultant junior encore à la DINEPA. Guido Edouard présente bilan activité d'INEPA réalisé dans le pays pendant 4 années de service dans cette institution. Puis loin, directeur a remercié si pour coopération partenaire d'INEPA pour façon l'IDI permettre direction nationale d'eau potable et assainissement répondre à la mission dans 10 départements géographiques pays. Pendant près de 4 ans, fait là, nous réalisons un pile bagaille. Nous ne pouvons pas faire l'éloge pour tête nous. DINEPA présent dans tout le pays. Plus près de nous, 19 janvier 2021, nous allons inaugurer le plus gros ouvrage que DINEPA réalisé pendant l'existence. Eh bien, c'est réservoir d'eau Vivi Michel qui a une capacité de 528 000 gallons. C'est infrastructure hydraulique qui est dans le site Marianien, zone Castor. C'est infrastructure hydraulique, 6 forages au niveau de Noir et Croix-des-Bouquets, 2 forages au niveau de Pernier, une grosse station de pompage qui a un ensemble de matériel électromécanique et mécanique que jeunes Ayo fait partie d'une unité que pas gérer. M'a parlé de pratiquement 9 millions de gallons d'eau qui pral sous réseau à chaque jour. Lui représentait plus que un tiers de capacité d'INEPA au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui a 6 communes là-dedans. Activité ça, c'est occasion pour le directeur général d'INEPA annoncer un ensemble projet institution pour réaliser dans l'année 2021. Il a parlé pour définir un plan pour lutter contre détention préventive volontaire. C'est le principal objectif activité ça qui réunit 18 juridictions. Le commissaire gouvernement y Port-au-Prince, M. Ducamel Gabriel, fait qu'on est. Li pas normal pour yon prévenir pas passer devant juge naturel li nan délai la loi prévoit pour ça. Le ministère là li organisé un atelier national sur la lutte contre la détention préventive prolongée. Donc n'a pas rappelé que gen différents acteurs dans la chaîne pénale là qui là et n'a pas comment ta capable définir ensemble
un plan, une stratégie de lutte contre la détention préventive prolongée. Donc nous conscients que nous arrivons dans une situation côté que bon paquet de monde qui est en prison et il y a des milliers de monde qui a coupé dans prison, bon surpopulation carcérale. Et par rapport à diverses interventions que nous entendons là, c'est des bagailles qui interpellent nous. Et nous croyons que nous avons nécessité pour nous combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Depuis quelques temps, le système Jandia est complètement paralysé. Et par rapport à l'ensemble de grèves qui ont gagné, ensuite gagné un phénomène COVID-19 là tout, pays loc. Et par rapport à la situation d'insécurité qui était gagnée dans le niveau bicentenaire là, ça vient fait que l'audience véritablement pas de capra. Mais nous croyons que nous avons réfléchi ensemble pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de relancer l'activité et très prochainement dans le niveau tribunal. Parce que nous sommes en prison et selon des conventions internationales, et tout le monde qui est en prison, il faut qu'il juge dans un délai raisonnable. Chargé détention préventive prolongée bon côté ministre justice là, maître Genel Pierre promet. Yo pral pran bon janmezi pour désengorger prison yo. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique en la personne de maître Rockefeller Vincent, donc sur instruction du gouvernement haïtien, donc a pris toutes les mesures pour désengorger la prison. Donc les différents centres carcéraux de la République d'Haïti. Donc c'est pour cette raison qu'on a réuni l'ensemble des acteurs ainsi que les partenaires internationaux pour cet atelier. Donc nous allons travailler en synergie, nous allons renforcer les services greffe et tension dans les juridictions de la République. Donc nous allons prendre des initiatives rigoureuses juste pour avoir des séances d'audience spéciale extraordinaire. D'accord, dans toutes les juridictions de la République, juste pour faire juger les détenus dans les conditions prévues par la loi. Responsable du ministère de Justice et de Sécurité publique l'a dit, yo compter sur collaboration avec Téyo dans l'appareil judiciaire pour aider justiciables, yo joindre justice comme ça doit. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babiz ap cherché pou li. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.